Bien, tu as le temps en attendant la réunion parent-professeur. Voilà, ici j'ai donc un bécher qui contient de l'huile de tournesol, hop là, ou plus exactement un mélange de quatre huiles. Ce n'est pas de la publicité, je ne suis pas encore sponsorisé. Revoilà le bécher avec son huile. Dedans, je place un tube à essai, ouais, qui est parfaitement visible pour l'instant. Et j'ajoute maintenant de l'huile de tournesol à l'intérieur du tube. Et là, nom de Dieu, c'est de la dinguerie. Donc on distingue beaucoup moins ce tube à l'intérieur du bécher. Hop, attendez, je retire, je mets du côté où il n'y a pas de graduation. Voilà. Ah, de temps en temps, on arrive à voir, hop, la base du tube. Mais l'effet est intéressant quand on le met vraiment à l'intérieur. Hop, attention. Ziette. Hop, c'est parti. Alors là, on voit bien le tube. Et ah oui, une sorte de petite disparition. C'est le moment où la couche d'air qui était entre le tube et le liquide a disparu. Encore une fois. Je vais peut-être faire un peu comme ça. Et voilà pour la disparition. C'est pas de la magie, c'est de la physique. En l'occurrence ici, de la réfraction.